Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, alléluia. Poste du ciel, bénissez le Seigneur. Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mon Père. Avec toutes nos intentions mentionnées et celles qui restent encore silencieuses dans nos cœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et toutes les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
De cette messe, nous rendons grâce au Seigneur avec toutes nos mamans et sœurs qui sont des quêteuses sur notre paroisse ici. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est aussi auprès de toi dans ta gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Par son martyr, Étienne témoigne de sa fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville, et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur.
terre. Joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Justice et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Jésus-Christ annonçait son retour pour le rachat de l'homme et de tout homme. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie. Et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend, qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie. Gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare, oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Se réjouira.
vous asseoir. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le septième dimanche de Pâques, le dimanche avant la solennité de Pentecôte. Et le thème de l'unité résonne très fort et à plusieurs reprises dans le passage de l'évangile de ce jour qui nous offre la grande prière sacerdotale de Jésus à la veille de sa passion. Juste un petit extrait de cette prière, et je cite, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, Jésus a prié pour notre unité. Malheureusement, il nous semble plus facile aujourd'hui de nous séparer que de nous unir. Les gens font plus de choses qui les divisent et les séparent les uns des autres que des choses qui les rassemblent. Et pour nous chrétiens, c'est vraiment honteux et scandaleux de nous réunir chaque jour, chaque dimanche, dans nos associations et groupes de prière, et pourtant l'unité reste encore à faire. Et des exemples montrent des divisions dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos communautés et dans notre société, autour des questions d'opinion, autour des questions parfois d'avis politique ou d'appartenance politique, autour des questions religieuses, des questions matérielles, de partage de biens et d'héritage, autour des questions
des relations interpersonnelles qui sont souvent fragilisées par les mensonges, des accusations, les tromperies, les infidélités, les péchés de tout genre qui ruinent, mes frères et sœurs, tous nos efforts de paix et de joie véritable à vivre unis, à vivre ensemble. Et ceux qui disent et témoignent de la vérité sont malheureusement souvent persécutés. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous donne l'exemple du martyr d'Étienne. Celui-ci a donné sa vie comme le témoignage de ceux qui ont cru aux enseignements des apôtres. Étienne a défendu avec conviction et courage la foi chrétienne devant le tribunal juif. Malheureusement, il a été accusé de blasphémer et donc condamné à la mort en étant lapidé. La mort d'Étienne, mes frères et sœurs, cette mort est révélatrice d'une certaine société qui voit toute personne qui ne pense pas comme elle en un adversaire ou un ennemi à humilier et à abattre. Faire l'unité aujourd'hui avec des personnes différentes de nous exige, mes frères et sœurs, exige de nous un changement de regard, une conversion de mentalité et d'esprit pour apprendre à voir dans l'autre qui est différent de nous, non pas un ennemi ou un adversaire forcément, mais plutôt comme un partenaire, un potentiel partenaire à gagner par la force de nos arguments. Et mieux, un enfant de Dieu, le Père de nous tous. Jésus, le Fils de Dieu le Père, a prié pour nous tous, chrétiens et chrétiennes, afin que nous soyons unis. Et cette prière de Jésus révèle son cœur et son esprit, son amour pour Dieu, son Père, et son amour aussi pour tous ceux qui croiront en lui. Jésus a donc mis l'accent sur l'amour et l'unité pour tous ceux qui croiront en lui et le suivront, non pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. D'une manière spéciale, mes frères et sœurs, Jésus prie encore pour chacun de nous tous. Il prie pour nous qui sommes les membres de son corps qui est l'Église, afin que nous soyons un, comme lui et son Père sont un. Cette unité de Jésus avec son Père, que Jésus nous appelle à imiter, est une unité d'amour, de service, d'honneur et de respect mutuel. C'est ce qui a existé et a prévalu entre Jésus et son Père. C'est donc une unité de cœur et d'esprit. Et le psalmiste, dans le psaume 132, l'exprime si bien, et je le cite, « Oui, il est bon et doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. » Et vers la fin de ce même psaume, il continue en disant, « C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour toujours. » Voilà, la vie et la bénédiction pour toujours sont les bienfaits de vivre ensemble et d'être unis. Malheureusement, nous avons encore soif et faim de cette unité dont le Christ a parlé et pour laquelle il continue encore de prier. Aujourd'hui encore, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés, nos lieux d'habitation et de travail, le Seigneur Jésus nous appelle à bâtir cette unité d'amour, cette unité de respect entre nous, cette unité de service, d'honneur mutuel
et d'amitié avec tous ceux et toutes celles qui confessent son nom, afin de le faire connaître et aimer par tous. Car comme le pape François le dit, et je le cite, « Notre monde a besoin d'unité. Voici une époque dans laquelle nous avons tous besoin d'unité. Nous avons besoin de réconciliation et de communion, et l'Église est la maison de la communion. » Fin de citation. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à devenir des instruments d'unité et de communion. Et en paraphrasant la seconde lecture, Saint Jean dans la seconde lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs, prions ainsi. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu, fais de nous des agents de l'amour, de l'unité, de la communion et de la sainteté de Jésus pour sa gloire et pour notre salut. Amen. Je ne saurais terminer ma petite méditation sans faire un clin d'œil à nos mamans qui sont célébrées et fêtées aujourd'hui dans les pays francophones. Alors permettez-moi de dire bonne fête des mères à toutes nos mamans, celles qui vivent au ciel et celles qui vivent aussi sur la terre. Nous voulons vous dire merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir donné la vie. Comme le dit Jean Gastaldi, et je cite, « Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. » Alors, demeurez des mamans aimables, des mamans dignes, des mamans qui font l'unité dans nos familles et dans nos sociétés, des mamans valeureuses, comme la Sainte Vierge Marie qui intercède toujours pour vous. Alors, bonne fête à toutes nos mamans, aux futures mamans, parce qu'une maman, c'est toujours sacré et c'est important. Je vous remercie. Ensemble, les venons pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu. Thank you.
Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, entends nos cris et exauce-les. Ce chant est en langue hâtive. Que remplis de ton amour, ils accomplissent pleinement ton dessein d'unité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les malades de tous genres. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté pour leur venir en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale. Que ses membres unissent toujours leur cœur à travers le dialogue et le respect des différences pour parvenir à la cohésion parfaite. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, la finition des travaux de la cathédrale Saint-Esprit. Que par nos efforts personnels et financiers, nous nous attelons à son achèvement définitif. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre diocèse qui célèbre ses 40 ans. Que dans la joie du jubilé et dans l'unité, nous célébrions dignement notre diocèse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est toutes choses. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Dieu notre Père, tes enfants t'apportent les fruits de leurs mains. Accepte-les et bénis-les. Ce chant est en langue baoulée. Thank you.
Je t'ai confié de ton amour.
Sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre Seigneur et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
de même après le repas. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux qui ont été nommés hier, ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi de toutes les femmes décédées en salle d'accouchement. Souviens-toi de Basseyo Marie Simone en ce jour de l'évée des deuils. Et souviens-toi dans ta miséricorde tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté sur les intentions exprimées pour cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté sur toutes les mères que nous célébrons aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur les quêteuses en leur action de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
au repas des noces de l'agneau. Humilié, mon Dieu de ma pétale, condamné
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui est, pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Nous sommes à la fin de notre messe. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à la chorale qui a bien animé notre messe. Vous pouvez vous mettre debout. Et n'oublions pas ce que le Christ nous a dit. Aux yeux de Jésus, ce qui est important pour son Église, ce n'est pas juste vivre ensemble, mais c'est d'être unis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous. Seigneur, sous les cieux.